Pas de vagabondage. Les nichons d'un spectre de midi, c'est encore plus lourd de moi. Il y a quelqu'un? Foutez le camp, ou je lâche les chiens. Order, Strige, ici. Doudou, c'est au sujet de Fabian Meyer. Je cherche son assassin. Ah, mais ça change tout. Alors, assis, maudit corneau, couchez. Entrez, entrez, en douceur, hein, qu'il vous morde pas. Charmante bestiole. Pas fou, non? Même moi, j'en ai peur. Mais mieux vaut un chien qui aboie qu'un sale type chez soi. Vous visez quelqu'un en particulier? Pour sûr. Le salaud qui a buté Fabian, à peine ils avaient emmené son corps que j'ai couru chez un collègue qui élève des chiens de combat. J'ai pris ces deux corneaux, ça m'a coûté un bras. Mais au moins, je dors tranquille. Et vous êtes qui, au juste? Le frère du défunt. On m'appelle Gus. On tenait l'atelier ensemble, chez Meyer et Meyer. Ouais. Et maintenant, c'est juste chez Meyer. Même pas. Je vais fermer d'ici peu. Dès que je trouve un acheteur pour cette tôle, je rentre à Mahakam, près des miens, enfin ce qu'il en reste. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir à propos de Fabian? Dites-moi ce que vous savez du meurtre, dans l'ordre et en détail. Alors voilà. Je rentrais chez moi après un travail à Ochsenfurt quand je vois un panache de fumée s'élever de la ville. Là, je me dis, bon sang, j'ai raté le bûcher d'une autre sorcière. Mais la fumée montait pas de la place du hiérarque. Elle venait d'ici. Voyez cette suie? C'est là qu'elles ont brûlé nos sculptures. Les gens sont venus voir le brasier. Ils ont trouvé Fabian juste à côté. Le temps que j'arrive, il était déjà chargé dans une voiture à bras. Vous avez parlé aux voisins? Ils ont remarqué quelque chose de louche? Entendu des choses? Rien, ils ont dit. Même s'ils avaient entendu, ils n'auraient rien fait. À Novigrad, si les gens voient un orphelin qui se vide de son sang en pleine rue, ils font un détour pour pas salir leur poulaine. Alors un nain, ça intéresse qui? Votre frère avait des ennemis? Des gens à qui il déplaisait, qui l'auraient menacé? Non. C'est plutôt Fabian qui avait menacé cette donzelle. C'était un nain au poil. Il avait de l'or dans les doigts. Et aussi le feu où je pense. Dès qu'on avait 3 sous de côté, je lui disais « Achetons des outils, du bois de qualité, tu me parles. » Il empoignait le magot et fonçait courir la gueuse. Et il s'est mis à en harceler une. « C'est toute ta faute, salope, serpillère humaine !» Il me balançait entre autres vacheries. J'ai jamais trop su pourquoi. Peut-être qu'il en était tombé amoureux. Savez-vous où je peux trouver cette serpillière? Au cimetière. Elle est morte il y a quelques jours. Paisible dans son sommeil. Une fièvre d'après son souteneur. Bien. Assez bavardé. Je dois jeter un œil aux alentours. Pas de problème. Mais faites gaffe aux chiens. Ouais. Bien. Assez bavardé. Je dois jeter un œil aux alentours. Pas de problème. Mais faites gaffe aux chiens. On a traîné quelque chose au sol. Traîné d'un mur à l'autre. Des statues des anciens dieux. Que des femmes. Bien girondes. Des traces de sang. C'est là que gisait Fabian quand ils l'ont trouvé. Vous permettez que je visite l'atelier? J'y ai pas été depuis qu'ils ont trouvé Fabian. Et si vous y tenez, je vous loue.
Encore des taches de sang. Mais pas suffisamment pour qu'il soit mort d'une hémorragie. À moins que... Tu fors mal. Rien à faire chez un menuisier. Des meubles renversés. Celui-ci semble avoir pris un coup de pied. Hey, sorceleur, le légiste veut vous voir. Encore une victime. Il m'a dit de vous dire que la porte principale vous était ouverte et de vous grouiller. Salut, beau gosse. Un bras zéro en cette saison. Je connais cette odeur. Hey, du formol. C'est lui. Comment un bras zéro. Dans cette saison de pâte d'homme. Regardez ce qu'il fait. D'être le tueur. Tout le poids sur le sang de Priscilla. Il a reculé. Par la gauche. La gauche. J'en sors. Putain, cet enculé. Sale vermine. Tu veux m'étriper, moi aussi, hein? Tu vas payer, salaud. Les catins savent se défendre. Hein? Du calme. Je ne vous veux aucun mal. Que venez-vous faire ici? Parfait vengeance. Quoi? Ça vous étonne? L'assassin qui revient sur les lieux du crime. Vous en avez jamais entendu parler? Moi et mes frères, on lui prépare une chouette surprise. De la part de Priscilla. Il a failli la tuer, ce fils de chienne. Je sais. Je suis en quête d'indices. Et de personnes qui sauraient quelque chose. Je peux sans doute pas grand-chose pour vous. Mais je vais vous dire ce que je sais. Vous êtes amie avec Priscilla? Amie, non. Mais pour elle, c'était autre chose qu'une catin stupide. Elle me respectait. Ça compte. Ça comptait laisser tomber le tapin. Trouver un boulot décent. Mais personne ne voulait de moi. Ni pour lessiver, ni pour servir, ni pour cuisiner. Une vraie pestiférée. Mais Priscilla, elle était différente. Elle m'a prise dans sa pièce, vous savez. Beaucoup d'autres acteurs ont pris peur, rapport au feu éternel. Suivi la siffleuse sur les planches, vous imaginez? Ma foi, le reste est envolé. Je suis bonne pour retourner au turbin. Désolée de l'apprendre. Moi, y a pire comme boulot. C'est ce que je me répète. Priscilla n'est pas la seule victime. Vous le savez? Mon pauvre fou. Bien entendu, ça ne date pas d'hier. Il y a eu d'autres victimes. Mendiants, filles des rues, orphelins. Mais qui ça intéresse, hein? Des décès humains. Voilà comment la garde nous appelle. Vous vous rappelez leur nom? Ils n'avaient pas de vrai nom. Crâne d'œuf, bouclette, beignet, voilà comment on les appelait. Pas d'amis, pas de famille. Belle lurette qu'on les a brûlés. Prenez soin de vous. J'ai un tueur à attraper. Oh, la tête me tourne. Bienvenue.
Gérald, c'est ça? Content de vous voir. Je vous attendais pour l'autopsie. Trop aimable. D'autant plus que vous n'aviez pas l'air enchanté la dernière fois. Parce que vous débarquez à l'improviste et mal accompagné. Sans compter l'inspection du révérend Nathaniel. Notre guide spirituel a dû quitter la ville pour quelques affaires urgentes. Je sais qui vous êtes et ce qui vous motive. Je me ferai un plaisir de vous aider dans votre enquête. À propos, c'est assez tendu entre Von Gratz et vous. Pourquoi cela ? Je l'ai envoyé en prison. Voyez-vous, Joachim était à la tête du mouvement étudiant en 1242. Une révolte insensée et sanglante. Des gens mouraient, sorceleur. Ceux qui s'opposaient aux libertés fondamentales étaient retrouvés dans le caniveau le lendemain matin, la gorge tranchée d'une oreille à l'autre, avec une précision chirurgicale. Joachim était mon étudiant préféré, mais hélas, je ne pouvais pas laisser faire. Aussi l'ai-je dénoncé. Et puis j'ai quitté l'université et pris ce travail à la morgue, où mon passé importe peu. Alors que Joachim, ironie du sort, fut nommé des années plus tard à la tête du service que j'avais fondé. Quel âge a Von Gratz ? 50 ? 60 ans ? 53, je crois. Pourquoi donc ? Vous paraissez bien jeune pour avoir été son professeur. Rien d'étonnant. Depuis des années, je vis dans le noir et le froid, à respirer les vapeurs de fluide d'embaumement. La proximité des morts rallonge la vie. Amusant, n'est-ce pas ? Qui est la victime, cette fois ? Joris Akinus, professeur de théologie à l'Académie d'Oxenfurt. Découvert ce matin chez lui, sur un catafalque érigé avec ses livres. Des ouvrages traitant d'un thème particulier ? Apparemment tous consacrés au feu éternel. Des traités critiquant la doctrine officielle. Oui. Un péché mortel à Novigrad. Vous n'appréciez guère Nathaniel. Comme beaucoup de gens. C'est un homme cruel, capricieux. Une fois il est arrivé en trombe, m'a arraché le scalpel que je stérilisais à la flamme et m'a entaillé le dos jusqu'à l'os parce que j'avais oublié de refermer la réserve. Difficile d'apprécier un tel individu, vous ne trouvez pas ? Commençons. Avec joie. Blessure conforme au modus operandi de l'assassin, la victime a été ligotée et contrainte d'avaler du formol. Puis l'assassin l'a énucléé, a placé des braises dans ses orbites, a ouvert sa cage thoracique et... Qu'est-ce ceci ? Un parchemin ? En peau humaine ? Un message de l'assassin. Le nom de sa prochaine victime. Patricia Vegelwood. Vous la connaissez ? Oui, je suis même allé une fois à son domaine. Je pars la voir immédiatement. À la prochaine. Qu'est-ce que tu veux ?
Il faut que je parle à Patricia Winkelmann. Et tu crois que n'importe quel mendigo peut entrer comme ça? Sa vie est en danger. Laissez-moi entrer ou vous aurez son sang sur les mains. Si je te laisse entrer alors que t'as tout inventé, ils vont me foutre dehors à coups de pied au cul. J'ai toujours cru que la mission d'un garde était de protéger son employeur, pas son propre cul. Bon, d'accord. Je t'emmène voir Dame Vogelboud, mais pas de vagues, c'est compris? Oh, Gérald, quelle délicieuse surprise. Délicieuse n'est pas le mot. Je dois voir votre mère, sa vie est en danger. En danger? Allons, j'ai vu mère ce matin même, elle m'a paru triste, c'est vrai, mais en pleine santé. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Vous allez devoir me faire confiance. Je trouve toute cette histoire extravagante. Mais vous paraissez très sérieux. Veuillez me suivre. Voilà un feu digne de Belleten. Mais passablement hors saison. Je vous ai parlé de la tristesse de mère, vous souvenez-vous? En fait, elle traverse une crise mystique, assez sérieuse. Nous séjournions à Novigrad. Mère a vu les bûchers sur la place du Hiérarque et n'a pas pipé mot sur le genre. Elle a fait rassembler et brûler tous les livres saints, insignes, reliquaires. Puis elle s'est enfermée dans sa chambre. Dépêchons-nous. Vous entendez? Le calme plat. Tout semble en ordre. Entrons, pour en avoir le cœur net. Oh, quel inquiet vous faites. Très bien, mais veuillez attendre ici. Mère n'est sûrement pas d'humeur pour les visites. Il s'est enfui par l'autre issue! Attrapez-le! Halte, ou je te colle un carreau entre les deux yeux. Écoutez, vous faites erreur. Pas de blabla, allons voir l'héritière. Entendu. L'assassin est déjà loin. Passe devant, Héron. On l'a eu, Dame Ingrid. Non sans mal, mais... Abaissez votre arme avant de blesser quelqu'un. Cet homme est innocent. Mes excuses. Mais je l'ai vu courir, j'ai cru que c'était l'assassin. J'étais sur ses talons. Et je l'aurais rattrapé si vous ne vous en étiez pas mêlé. Hors de ma vue, et vite! Pourquoi lui avoir fait ça? Pourquoi? Parce qu'elle a blasphémé contre le feu éternel. C'est son seul lien avec les autres victimes. Ingrid, le moment est très mal choisi, mais... D'ordinaire, l'assassin laisse un mot indiquant qui sera sa prochaine victime. Puis-je? Bien sûr. Mais je ne vous accompagne pas, je ne veux pas la voir dans cet état et garder cette image d'elle à jamais. Faites en sorte qu'elle soit la dernière victime. De grâce. Échymose, ongle cassé. Elle s'est défendue. C'est pour ça qu'il a mis si longtemps. Et qu'il a failli se faire prendre. Voilà, Nettie la douce. J'ai quatre l'estropiés. Il s'enhardit. Le lieu en plus du nom maintenant. Cette fois, il ne s'en tirera pas.